Bonjour, chers amis, content de vous retrouver en ce vendredi 6 septembre 2024. C'est Laurent avec vous pour cette nouvelle séquence. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma belle-sœur Danielle pour le psaume et de ma femme Hélène pour la lecture. Nous allons souhaiter une belle fête à toutes les personnes se prénommant Bertrand et aussi, sans oublier, les personnes qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire. Bon anniversaire à vous. Et nous allons nous mettre en présence du Seigneur pour nous accompagner tout au long de cette journée. Et pour commencer cette séquence, nous allons débuter ce très beau chant. Répands ton feu de la communauté du chemin neuf. Bonne écoute à vous. Très pur, torrent de vie. Viens, Esprit Saint, embrasse-nous. Fleuve puissant de la grâce. Viens, Esprit Saint, embrasse-nous. Clarté d'en haut, langue de feu. Père des pauvres, humble richesse,
Splendeur divine, bonté de Dieu. Viens, Esprit Saint, embrasse-nous. Vie éternelle, vie nouvelle. Viens, Esprit Saint, embrasse-nous. Esprit du Père, Esprit du Fils. Viens, Esprit Saint, embrasse-nous. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, que l'on ne vous regarde donc comme des auxiliaires du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Or, tout ce que l'on demande aux intendants, c'est d'être trouvés dignes de confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu d'être soumis à votre jugement ou à celui d'une autorité humaine. D'ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me soumet au jugement, c'est le Seigneur. Ainsi, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il rendra manifeste les intentions des cœurs. Alors la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les hommes de ce monde sont souvent aussi des prédicateurs modernes. Ils ont les yeux fixés vers la terre. Ils professent une religion purement terrestre, dont le but est de produire un peu plus d'ordre à la surface des choses, mais qui, en même temps, négligent complètement le fond. Mais qu'en était-il de Paul et d'Apollo ? Qu'étaient-ils ? Avait-on sujet de se glorifier en eux? Ils n'étaient que des serviteurs et des administrateurs. Le chapitre 4 commence par rappeler que la vertu essentielle d'un administrateur, c'est la fidélité. Et cela ramène nos pensées
vers le jour qui rendra manifeste toute chose. Au verset 3, l'expression « jugement d'homme » est, si on le traduit littéralement, qui signifie « jour d'homme », ce qui souligne tout à la fois la relation et le contraste avec le jour qui va venir. Dans la lumière de ce jour, Paul n'était pas particulièrement troublé ou préoccupé par un jugement d'homme, fût-il celui des Corinthiens eux-mêmes. S'il avait été dans une bonne condition spirituelle, l'apôtre aurait certainement écouté avec patience les critiques qu'il aurait pu avoir à lui faire. Mais il était charnel et par conséquent, leur jugement n'avait que peu de valeur. C'est ce que Paul leur fait savoir. De plus, Paul avait une bonne conscience et il précise « Je n'ai rien sur ma conscience, mais par là, je ne suis pas justifié. » Ah, mes frères et sœurs, si seulement nous pouvions tous parler ainsi. Si nous étions assez fidèles à ce que nous avons appris de la pensée de Dieu pour entretenir toujours une bonne conscience. Mais Paul lui-même devait admettre que cela ne le justifiait pas. Il devait être jugé non par ce qu'il savait de lui-même, mais par le Seigneur et par ce que le Seigneur savait. Il en est de même pour nous. Il y a une grande différence entre les normes fournies par nos consciences et celles qui sont fondées sur l'omniconscience du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur sait? Le verset 5 nous le déclare, et c'est l'un des versets les plus scrutateurs de la Bible. Lorsque le Seigneur viendra, il apparaîtra au grand jour, et les rayons de sa lumière feront un travail semblable à celui des rayons X. Ce verset est écrit non pas au sujet du mal grossier qui se commet dans le monde sans Dieu, mais au sujet des actions qui ont lieu parmi les chrétiens. Ils sont innombrables, les tristes événements qui ont eu lieu parmi les saints de Dieu. Les uns d'une nature plus ou moins privée, les autres publiques et ecclésiatiques. Nous pouvons former nos jugements et même devenir de violents partisans d'une cause. Et en même temps, il peut y avoir des coins sombres qui échappent à nos yeux, dans lesquels des choses cachées sont tenues en secret. Il peut y avoir dans les cœurs des motifs secrets, entièrement voilés à notre vue. Tout sera révélé à la lumière du jour. La cour d'appel de dernière instance se tiendra en la présence du Seigneur, et son verdict pourra infirmer de manière irrévocable tous les verdicts des cours inférieures. Si nous avons l'impression d'être mal jugés, ayons patience. Et si nous sommes prêts à entreprendre une action énergique, prenons bien garde. Chers frères et sœurs, nous devons bien chercher dans les coins sombres pour voir s'il n'y a pas des choses cachées qui devraient venir à la lumière. Scrutons nos propres cœurs pour voir si de mauvais motifs ne s'y cachent pas. Laissons-nous d'abord sonder par le Seigneur de façon patiente et répétée, spécialement s'il s'agit d'une action ecclésiatique qui peut avoir beaucoup de conséquences. Et là, chers frères et sœurs, chacun recevra sa louange de la part de Dieu. Cela ne signifie pas que tout homme recevra une louange, mais que tous ceux qui en recevront une la recevront de la part de Dieu, et non par leurs semblables. Les Corinthiens avaient leur chef de parti. Ils louaient ceci de façon extravagante
et il condamnait cela, chacun à son gré. Cela n'avait aucune valeur. Que Dieu nous donne la grâce d'éviter ce genre de choses. La seule louange qui ait de la valeur est celle qui vient de Dieu. Amen. Chers amis, nous arrivons au terme de cette séquence. Nous vous remercions pour votre écoute, pour votre attention. Donc, on se donne rendez-vous dans un petit mois et nous allons nous quitter sur ce très beau chant de Glorious. Laisse-moi te parler de Jésus. Nous vous souhaitons une très belle journée. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À bientôt. Il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Si tu cherches le chemin, la vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, le sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Oh, laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur.
l'a fait pour Sarah, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait à Cana, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour la veuve, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour l'infirme, il peut le faire pour toi. Et s'il l'a fait pour cela, il va le faire pour toi. Et s'il l'a fait pour cela, il va le faire. S'il y a des personnes ici ce soir qui croient de tout leur cœur que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain, avec moi qu'ils élèvent les mains maintenant. Seigneur, nous croyons que tu peux toutes choses dans nos vies, dans nos situations. De Moïse à Sarah, de Lazare à Cana, tu as béni, tu as guéri, tu as sauvé. Continue de le faire, Seigneur Jésus. Ce qu'il a fait pour Sarah, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait à Cana, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour la veuve, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour l'infirme, il peut le faire pour toi. Et s'il l'a fait pour cela, il va le faire pour toi. Et s'il l'a fait pour cela, il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi.